Salut à toutes et à tous, ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Zoo. Et ça faisait un assez long moment que je n'avais pas fait de vidéo dessus et attendez-vous à en avoir, excusez-moi, de plus en plus parce que ça me manque d'en faire, je vous jure, j'adore en fait jouer à DB Legends et j'aimerais bien un peu plus sortir de vidéos dessus parce que y a tellement moyen de faire du contenu extrêmement qualitatif et surtout drôle. On va pas se mentir, il y a beaucoup de choses qui se passent en PvP, parfois c'est assez incroyable, que ce soit une situation de dégâts, de comeback et tout. Enfin, écoutez, juste avant de commencer cette vidéo, et bien comme vous pouvez le constater, j'ai fait un changement total, mais alors total de ma chaîne, entre la bannière YouTube, entre la PP YouTube, entre l'overlay pour les vidéos des belles légendes. Donc tout ça c'est grâce à Karim qui est un graphiste exceptionnel, franchement encore merci à toi. Enfin allez voir son Twitter, je vous mets le lien de toute façon dans la description, mais il gère de fou. Tout ce que vous voyez sur cette chaîne ça a été fait par lui et ça fait extrêmement plaisir. Et du coup voilà, ça fait vraiment du bien de changer de design depuis le temps que je voulais le faire en plus. Mais je ne savais pas vers quoi m'orienter, je ne savais pas vers qui aller, parce que c'est... Il y a tellement de gens en fait qui s'improvisent entre guillemets graphistes, mais en fait tu te rends compte qu'en faisant tes trucs à toi, tu les fais mieux qu'eux. Donc tu te dis est-ce que ça vaut vraiment la peine. Donc à force de fouiller, parce que moi je suis très exigeant, je suis chiant d'ailleurs avec ça. Je suis le pire cauchemar des graphistes en général. C'est que je mets une idée, je leur dis tu prends le temps que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais mes idées partent un peu dans tous les sens et je les plains. Franchement, je vous plains, cher ami graphiste, lorsque je vous parle, parce qu'il y a de quoi péter un plan. Écoutez, aujourd'hui on va faire du PVP et je vais vous montrer ce que vaut la LOE actuellement, parce qu'il y a environ un mois et demi, on a eu le nouveau Freezer et la Full Power. À mon sens, extrêmement fort. On a eu le Zenkai la semaine dernière de Freezer LF première forme, qui est incroyable. Malheureusement, moi, je ne mets pas encore Zenkai. En fait. Je ne l'ai pas encore Zenkai, je fais que les quotidiennes parce que... Bien évidemment, j'attends le prochain LF qui sort d'ailleurs aujourd'hui. Cette vidéo va sortir aujourd'hui, mais la vidéo and stuff a lieu cet après-midi. Je n'ai pas Zenkai parce que bah, vous voyez bien que mes cristaux, je les garde pour le LF qui va sortir. Enfin, si c'est un Badak, je ne l'invoquerai pas parce que je n'ai pas une team Super Saiyan assez puissante pour rentabiliser. Par contre, si c'est un LOE ou un Cyborg, là par contre, si c'est un Cell LF, j'invoque à fond de balle. Quoi. Je claque le PIB de la France, clairement. Donc voilà, écoutez, on va jouer notre cher LOE. Donc, j'espère que ce sera un perso LOE cet après-midi, durant le vidéo and stuff, parce que ce couleur-là, il est extrêmement fort, indispensable dans la LOE avec ses pivots. Ses bonus pivots sont incroyables, mais il se fait vieux, quoi. Et on sent qu'il commence à avoir du mal à tanker. Les dégâts, encore, ça va, hein, franchement, il n'y a rien à redire. Par contre, il a du mal à tanker. Ce couleur-là est très très fort, mais disons qu'il commence à se faire dépasser un petit peu. Freezer DBS, sous-côté de ouf, genre vraiment sous-estimé. Ce Freezer là, bah forcément, il a son Zenkai, donc très très fort. Et ce Freezer là, il remplace Abouzi. Et celui-là, je le garde parce que, en fait, j'hésite entre le chill pour la Cap Z à 14 étoiles de vie. Je me dis qu'avec ses boosts, ce Freezer là, sur le full power, incroyable. Vraiment incroyable, donc je sais pas trop. En tout cas, écoutez, on va partir sur du PVP, on va voir un petit peu ce que vaut la LOE. Ma team de cœur, je ne suis pas du tout fanboy de la LOE, hein, ça se voit pas. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Enfin bon, on va sans plus tarder partir en PVP. Et écoutez, on se retrouve pour la première game. Ok, c'est parti. Bon, c'est étonnant qu'il ait commencé par Migaté. Je pensais vraiment qu'il allait commencer par Vados avec sa fusion, ce qui est logique, parce que normalement on commence avec Vados pour le bonus pivot, mais bon, c'est pas grave. Alors on va faire entrer Freezer. Alors forcément, hein, c'est Goku Zenkai 7 en face, donc ça tente pas mal, hein, faut pas se mentir. Voilà, on va voir tempo. Hop, allez. Prends-toi ça dans ta tête. Une spé, il va switch forcément. On va attendre, on va respé. Voilà. Tellement facile de les bait. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait faire une open avec l'alerte. On change pour le bonus pivot. Dès que Freezer revient, je le mets. Et je Rising Rush, si j'arrive à avoir une autre carte. Nice, parfait, c'est tout ce que je voulais. Franchement, parfait. Ah, quoique non, attendez. Non, je vais essayer quelque chose. Je veux voir les dégâts que je mets sous bonus pivot avec l'ulti. Ok. Ouais, ok, je pensais que je ferais plus que ça. Mais vous fumez, monsieur. J'aurais peut-être dû RR. J'aurais dû RR. Ça, c'est my bad. Quoi? Putain, il m'attaque instant. Et tu n'apprendras donc jamais. Là, c'est soit il switch et il perd Migaté, soit il laisse tanker l'aspect. Il a bien fait. Ah, pas de côté, rip.
Ce Freezer est trop fort. Et encore, moi, je l'ai même pas ZenKai 7, c'est ça qui est incroyable. Mais j'ai fait le pas de côté. Je l'avais fait, je jure. Je l'avais vraiment fait. D'accord, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je sais pas s'il a pas voulu ulti ou quoi, j'ai pas compris. Rising Rush. On va mettre la verte, même si j'en ai fait qu'une en début de game, je pense pas qu'il va la trouver. Il va croire que j'ai une spé dans la main ou une strike. Ouais, même pas une blast. Bon bah, parfait. Bon là, ça se passe plutôt bien. J'ai un peu surestimé les dégâts du Freezer, mais... Ah, il est mort. Oh non, tu m'as privé de ça, vraiment. On refait. Il a TP. La cover de ce perso est trop fort. Par contre, en fait, il y a un truc qui fait que la LOE a un gros handicap, on va dire. Mais vous avez vu, on est d'accord, j'ai appuyé sur... Je comprends pas. J'ai pas pigé ce qui s'est passé. Bon, il va faire des pas de côté jusqu'à faire l'esquive parfaite, ouais, forcément. Par contre, ça va peut-être me coûter la game, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé, là. Vous avez vu comme moi, j'ai fait ma blast, on est d'accord. Alors pourquoi c'est... Il n'y a pas eu l'animation, en fait. Je comprends pas. Bon, c'est soit il me RR, soit il esquive. Même pas, d'accord, ok. Bah, aucune des deux. Mais j'ai pas compris, là. Je sais pas si c'est un bug du PVP ou si c'est moi qui fais de la merde, j'en sais rien, mais... J'ai pas apprécié. Ok, petite frayeur, mais ça va. J'ai pas compris, franchement. La blast qui veut pas partir, alors que la carte est utilisée. Il prend tout son temps, genre. Et parfois, j'ai ce genre de petit bug et... Je veux pas être de mauvaise foi, mais ça me coûte une game, quoi, donc... Surtout au niveau des esquives, je sais pas ce qui se passe en ce moment sur le PVP, mais... Les esquives ont un problème. Ok, donc là, on est contre une team ennemi puissant. Et qui dit ennemi puissant, dit forcément... Des persos pétés, il va cover? Non, même pas. Là, il va cover, ouais. J'espérais le bait sur la carte d'avant, mais visiblement pas. On va attendre. Normalement, il a lancé quelque chose. Ouais, parfait. Je m'en doutais, j'ai entendu le bruit de son animation. Par contre, ça me fume vraiment, c'est... Le problème en fait avec le Black Goku, enfin celui-ci LF et le Goku SLJ4, c'est qu'ils sont sortis au pire moment, tous les deux dans le jeu. Du coup, ce sont deux persos qui sont sous-estimés, mais deux persos qui sont pas équilibrés en fait. Mais dans le mauvais sens, c'est ça le problème. Bah, plus je vais switch, plus je vais prendre des dégâts. Hein. Parfait. J'espérais justement qu'il ait pas de strike dans son deck. Bon, il va remettre... Non, même pas. Il va break cover. Nice. Allez, on va essayer de l'F. Pas de côté. Ah non, je croyais. Putain, j'ai confondu. Oh, bon, c'est pas plus mal. Je croyais qu'il avait fait un pas de côté, mais non, j'ai mal entendu. Qu'est-ce qu'il est beau ce Lef. Ah bah oui, bah voilà, rush quit. C'est un bot maintenant, mais c'est un bot qui se fait quand même Lef. Qu'est-ce qu'il est incroyable ce Lef, il est vraiment stylé, putain. Oh là là, j'espère vraiment que ce sera un couleur cet après-midi. Oh, une team métis. Une team métis Saiyan, tiens, ça change de divin. Il y a vraiment que ça en ladder, c'est divin ou métis Saiyan. C'est incroyable. Bon, il y a un peu de SSJ aussi, c'est rare, mais ça se fait. Mais c'est vraiment les trois teams qui ressortent le plus et mon dieu que c'est chiant, il n'y a que ça. Donc on va prendre couleur forcément pour les bonus pivot. Bah en fait on va tout simplement prendre ces trois là. Hein. Parce qu'on sait pertinemment qu'il va sortir les trois premiers. Hein, s'il sort un des trois autres, je comprends pas. Il est vraiment pas malin, pour ne pas dire débile, parce que le trio justement qu'il a, les trois premiers picks sont trop forts. C'est-à-dire qu'il faut que je tue 5 personnages, c'est génial. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a une anti-survie au KO avec le Freezer Full Power. Ce qui veut dire que le Mirai Gohan LF, si jamais je l'attrape, il meurt instant. Mais bon, forcément, il y a le Gohan LF Zenkai et ça, c'est compliqué. Ok. On va lui mettre la torpeur. Oh, parfait. Alors là, c'est parfait. Ouais, c'est parfait si la torpeur marche aussi. Ah, il commence à laguer, c'est bien. Eh bien, on va voir les dégâts que je lui mets. Un petit midlife. Ouais, prévisible.
va de côté, parfait. Oh, parfait. Alors ça, c'est nickel. Ah, ma vitesse de pioche. Bah, il est mort. Techniquement, il est mort. C'est soit son Gohan, soit lui qui meurt. Bah, écoutez. Voilà. Ce Freezer full power est trop fort. Ok, faut qu'on gagne ce clash. Ah! Dommage. Dommage, dommage. Il a voulu tempo. J'ai voulu tempo. Un partout. Ah, ça va faire mal. Il va nullifier le type. Tiens, mais je comprends pas. Je crois qu'il a... Il a... D'accord. Il a... Comment dire... Il a... J'ai oublié le mot. Il a quoi? Bah il a. je ne me souviens plus du terme alors que je l'ai dit tout à l'heure. C'est... A break cover, voilà. Il a break cover avec son ultime, c'est dommage. Mais vous voyez, c'est... Enfin, Gohan élève, c'est complètement débile. Hein. C'est... Faut pas se mentir, ça reste le perso le plus débile du jeu encore maintenant. Pas de côté. Pas du tout. Oh, il a bien joué. Sachant qu'il reste le RR encore. Oh non, sérieux. J'ai été trop long. J'aurais peut-être pas dû faire ça. En fait, si je place son ulti à Freezer, DBS, ça va. Je récupère de la vie. Par contre, j'aurais pu le mettre maintenant pour récupérer directement ma vie. J'ai fait une petite erreur là. Mais j'ai voulu reculer. Tempo un peu trop, j'aime pas ça. Il a TP. Vous savez ce qu'on va faire, vu qu'il va errer, on va faire ça, simple. On va le tuer. Voilà. Je me fais pas chier. Parce que si je lance une autre attaque, c'est sûr qu'il a les RR. Donc j'allais peut-être perdre le combat sur RR. Chose qui est extrêmement triste. Mais ça n'arrivera pas. Parce qu'on n'est pas baitable à ce point-là quand même. Je sais que je suis pas exceptionnellement fort, mais faut pas déconner quoi. Oh yes, il y a ma team préférée. Bah, c'est celle-là dont je parlais, la team SSJ. Camper fond de map. Généralement, ce sont des mecs qui lag. Et en plus de ça, bah. Voilà, ils attendent de contre-attaquer entre l'ulti de. Enfin, l'aspect de Goku Namek et la verte de. de Goku SSJ 3, on est servi là. C'est vraiment la fête du slip. Bon. Ah, d'accord, il a pas esquivé. Parfait. On va entrer direct avec le full power. Ce full power, franchement, c'est pas une déception. Il met des bons dégâts. Par contre, faut l'avoir étoilé, sinon. Bon, on va switch. Il va se transfo. Non, il a break cover, d'accord. Faites qu'il ait pas de paix, faites qu'il ait pas de paix. Ok, nickel. C'est le moment. Je mets pas de dégâts parce que je suis pas Zenkai, mais je vais quand même en mettre quelques-uns. Alors là, si je me fais choper, je suis dans la merde. Et voilà. C'est pas de chance, ça. Bon, il a pas encore eu l'occasion de camper. On va voir s'il va le faire, mais... Ouais, forcément. Maintenant, on va attendre. Hein. Allez, hop. Prends-toi ça. Ah, ça, c'est... D'accord. Bon, on va RR tout de suite. Franchement, on va RR. Peu importe le perso, parce que faut qu'on en perde un. Enfin, faut qu'il en perde un, pardon. Mais c'est pas plus mal qu'il perde celui-là, parce qu'il est extrêmement chiant avec tous ses bonus, sa tankiness et tout. Avec son main. Trop chiant. Donc c'est pas plus mal qu'on l'ait RR, lui. A noter que le SSJ 3 a encore sa cover. Donc faut faire attention. Ouh, ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Qu'est-ce que je fais?
J'ai hésité à mettre l'aspect pour éparpiller les dégâts, mais je pense que c'est quand même mieux de faire l'ultime. Après, il va récupérer sa vie en faisant son main, hein, mais... Ah, bah là. Hop. Pff. Je déteste ce perso, putain. Ça pue le skill. Ça pue le skill. Et encore, il a pas trop campé. Hein. Franchement, ça va. Mais c'est extrêmement chiant quand même. Ah bon, bah Freezer va mourir. Je voulais cover, mais bah Freezer va mourir. J'aime pas du tout jouer contre cette équipe, c'est trop chiant. Ils ont trop moyen de comeback, les mecs qui jouent cette team là. C'est... T'es safe tout le temps, tu régènes ta vie souvent. Enfin, c'est pas facile de jouer contre cette team, je trouve. Surtout avec une LOE, parce qu'en fait, le problème avec la LOE, il attend juste que je fasse une verte ou il va errer. Hein. Voilà, je l'ai fake. Et on va RR, je vais même pas me faire chier, on va... Voilà, je l'ai bait. Parce que je savais pertinemment qu'il attendait soit le RR, enfin de RR lui, ou de faire sa verte si je lançais une blast. C'est sûr, les joueurs comme ça on les connaît, donc... Bon, heureusement. Mais on les connaît. Mais ouais, le problème majeur de la LOE en fait, c'est qu'elle a pas de survie au chaos. Enfin, l'ancien full power, il est complètement dépassé. Et il n'y a pas de survie au chaos, il n'y a pas de cover TP, il n'y a rien, donc en gros, si on se fait arracher une fois, si on met la mauvaise cover, on est mort. Pareil, si on se prend RR, ben on est mort. Généralement, si le mec réussit le RR, il n'y a aucun perso en LOE qui peut tanker un RR. Vraiment. Donc c'est un peu compliqué, on va dire. C'est ce qui manque à la LOE majoritairement. C'est une survie au chaos. Ou un revive. Un revive comme Gohan LF, comme Cell. Voilà. Comme le Goku SSJ Blue aussi, qui est très souvent oublié, mais... Ouais, c'est ce qui manque à la team en fait. Forcément, Green Green Yellow, hein. Je change pas une équipe qui gagne, c'est vrai que souvent je me fais bait, mais. Les gars en. Comment dire, en ki divin mettent souvent 2 verts. Si c'est pas Bado, c'est Topo, donc voilà. A chaque fois, j'oublie ce détail en fait. Ouh, les dégâts! Putain, je vous rappelle quand même que le Beerus il est Z7, hein. What the fuck, les dégâts que je vais coller! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, il m'a perfect dodge. Oh, ça va arracher là. Oh, je vais en prendre plein la gueule. Vous voyez, c'est le problème dont je vous parlais. Hein. C'est triste. Hein. C'est... Si on met pas la bonne cover, ou qu'on se fait arracher une fois, c'est bon. On prend trop cher en fait. Ok, nickel. Voilà. Bien tempo. On va remettre le full power et là, ça va arracher. Ça va arracher très très fort. Un crit. Normalement il est mort. Quoi, peu importe le perso qui met, il est mort. Ouais bah bien sûr, sûrement. À 100% il est. Oh. Le Freezer est en train de faire la game tout seul hein. Oh là 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 là. Merde, j'ai fait des bêtises. J'ai fait une petite bêtise. Aïe 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 aïe. Ouais, le full power a fait tout le taf, mais là, un RR, c'est bon, c'est fini. C'était tendu quand même sur la fin, une erreur et... Enfin en fait c'est ça le problème encore une fois, c'est la LOE, tu fais une erreur, tu perds un perso. C'est simple. C'est vraiment l'idée de la team en fait, t'as fait des dégâts monstrueux quand on sait bien l'utiliser mais et qu'on a les bons persos aussi parce qu'il faut beaucoup d'étoiles sur la LOE je trouve, contrairement à d'autres persos qui sont dans des teams style Ki Divin, tout ça, faut pas énormément d'étoiles non plus pour que ça fasse le taf mais... La LOE, ouais, si t'as pas une team opti, d'une part tu fais rien et de deux tu te fais massacrer quoi donc... Un peu compliqué quoi. Enfin bon, j'espère que cette vidéo sur Dragon Ball Legends vous aura plu. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, ça me fait super plaisir d'en faire. J'en proposerai de plus en plus souvent. N'hésitez pas à me faire part de votre avis sur ce showcase ainsi que sur les dégâts que fait Full Power quand il est bien utilisé à un bon moment. Surtout, c'est déconner les dégâts qu'il peut mettre. Et surtout si ça vous fait plaisir de revoir du DB Legends. Voilà, allez, gros bisous.